Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz, cette émission consacrée à l'analyse et aux commentaires des faits d'actualité qui se passent ici en République démocratique du Congo et même à travers le monde. Et pour aujourd'hui, on va évoquer principalement trois sujets. D'abord, la marche de l'UNC pour exiger la libération de Vital Kamerhe, une marche organisée par son parti. On a vu la présence de sa femme ainsi que de ses enfants. Est-ce que l'UNC obtiendra-t-elle gain de cause à travers cette marche? On en parle au cours de cette émission. On va aussi aborder la question du retour de Martin Fayoul qui a été annoncé pour les 2 août passés. Malheureusement, ce retour n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qui a empêché plutôt à cet ancien candidat président de la République qui continue jusqu'à ce jour de revendiquer la vérité des urnes, de ne pas retourner au pays? On va tenter de répondre aussi à cette question. Et puis l'affaire des 2 juges qui ont boudé la prestation des serments. Ils estiment que l'ordonnance présidentielle, leur nommant, contient des irrégularités. On en parle au cours de cette émission, mais exclusivement en Lingala, même s'il n'aime pas que je puisse le dire, avec l'un des communicateurs de la plateforme politique, la Mouka, Michel Mangala Mbote. Mbote mon Mbouka. Boni. Oui, ça va. Nous autres, malgré Ningana qui m'a mais ça va, nous sommes là. Toujours tout le monde pour na Kobunda pour na Mbouka. Yo yebi tozali toujours koloba que le pays va mal mboka ezotambola mabe pe lelo oyo moto mokote moto azali sérieux, celui qui aime les Congo et qui aime les Congolais, non celui qui aime le bien ya Congo ayebi ki mboka ezotambola malamu te, parce que nous avons tant dit sur la question de la coalition, nous avons déjà dit qu'ils ont coalition contre la nature, ils ont même abusé vers l'enfer. Et aujourd'hui, l'enfer est là. Et aujourd'hui, la souffrance est là. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons voir, l'insécurité, tout est là. Alors, la vraie question, est-ce que pouvons-nous continuer na na batu oyo ba kangi mboka na otage ba lingi ko rendre service na peuple te bazo beta na bango mais ba lingi ko reconnaître te ke mboka eza na mabe. Donc nous comprenons que ce sont des gens qui sont là pour que bazwa bomengo ya Congo, mais ils ne sont pas là pour les Congolais. C'est pourquoi nous nous sommes en train de dire et nous disons à notre peuple, surtout Bandeko Nabiso Bazali Banda Yamboka, que Bandeko Wana et Sengeli ba betambela et pas ya ba Congolais ou Bazali Nakati ya terrain. Très bien. Pour que baye ba koagir. Parce que la souffrance là, souffrance au Yuza Biso a ou Nakati Kishasa tout le monde yango. Mais tellement que père, Bobangi et Vanda, et pas Yabatou, parce qu'il ne faut pas oublier, ils ont mission où ils ont dit, et puis ça qui est pas M. Kabila, pour qu'à semer terreur, à rendre le Congolais dépendant. Et sur ce point-là, il a réussi. Les lots où le Congolais va commis dépendant. Va commis mon arabe, mon pao. Donc, ils sont dans les miettes. Très bien, mais actualité. Sur le plan, effectivement, c'est l'actualité. Je suis vraiment dans l'actualité. Parce que ce sont des faits, des réalités que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi on dit que sur les plans dépendance, il a réussi. Vous comprenez? Lelo, tu comme qu'on dépendre, tu comme qu'on la miette. Est-ce que pouvons-nous continuer avec des miettes ou nous devons nous réjouir na bomengo ya mboka na biso? Très bien. Bandeko na bino bandeko ya UNC. Oui, à Vital Kamerhe, Kitina Balabala, marché pour exiger la libération. Il y a l'idée en Abango Aza qui est d'abord inculpé depuis le 8 avril dernier en rapport avec ma travaux il y a 100 jours. Et puis condamné le 23 juin, si j'ai encore une bonne mémoire, à 20 ans de travaux forcés. Bandeko UNC, Kitina Balabala, tout le monde, moi si Vital Kamerhe, c'est comme si comme une tradition, tout le monde qui récemment la marche à la Mouka, Mbappé na famille est dans là. Bon, mon frère, c'est dans leur droit, hein, le plus légitime. Ils ont un droit en Abango tant qu'ils vont monter que
baza légisé jugement de ça qui m'a mouté c'est dans l'air droit tant baso mona que autorité morale na bango parce que to comment na ba autorité morale si ça vient d'où cette histoire ce qui constitue le bas ce qui loi ni le bas to comment na ba autorité morale ba monique ba rendre yé justice aux alliés juste été c'est dans leur droit pour que ba marcher mais ce qui est important c'est quoi d'accord oui puis Bissot, tous les partisans d'un état de droit. Mais nous constatons que jusqu'aujourd'hui, dans notre pays, cet état de droit-là, il va dire à nous, malgré aujourd'hui, Bazo chantait qu'il y a l'état de droit, du fait que Vital Kamerhe a été arrêté, et ainsi de suite. Mais la vraie problématique, est-ce que l'arrestation de M. Vital Kamerhe, oui, effectivement, il y a eu. Comment dirais-je, le programme des 100 jours a été très mal géré, n'est-ce pas? Et la bah, disparition est mise sur lui. Très mal géré par lui. Pour une même qu'il aura numéro 1. Mais ce n'est pas, non, non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui le numéro 1. Superviseur, coordonnateur. Non, non, mon frère. Ce n'est pas lui le numéro 1. Mais le numéro 1, c'est M. Tshilombo. Mais Moutano, tu as géré le programme au quotidien. On dit ceci, il n'y a pas un mauvais troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Pour retenir ça. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, mon frère, vous avez suivi, même lui-même, Tshilombo, dans son discours au Parlement, il a donné l'injonction au gouvernement pour qu'il va mettre en pratique le projet à 100 jours. Donc, il a agi au nom du chef de l'État. Il a agi au nom de son chef. Vous comprenez? Donc, si. Ma accusation mon frère, attendez, attendez, mon frère. Attendez, attendez. Mais c'est lui le responsable. Comment ça? Écoutez, pourquoi aujourd'hui, tout le monde, Bazo le Baké, n'a fait un mandat, Bakomon a battu Moussou Souanate, Bakomon a eu Tshilombo, Ponanine. Mais c'est lui le numéro un. Mais tout le monde dans la politique, il y a des poids, des mesures. Mais projet à 100 jours, s'il vous plaît. Mais effectivement, le chef, c'est qui? Donc, nous pouvons dire que. Donc, là, vous, dites, vous voulez me faire voir que. M. Tshilombo. C'est ce que vous voulez me faire croire. Bah, écoutez, mais écoutez. Mais tribunal a trouvé mission noire sur blanc, qui est président, qui est impliqué. Attendez. Quand Vital Kamerhe. Prenez les décisions. Engagez Mbongo pour un projet à 100 jours. Abanako engagez mon Nakombo. C'est Nakombo à chef de l'État. Nakombo ya Ndeko Tshilombo. N'est-ce pas? Mais d'ailleurs, toi qui n'es pas été Zongepai, vous avez suivi le ministre sortant. Comment il s'appelle encore? Il y a justice. Comment il s'appelle encore? Tunda. Tunda Wakasenda. Tangu. Ayekoloba Bamakambunaye Oyoya Yemei. Vous le savez. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Tunda a bien dit que yé Namikolo a sali nakata gouvernement. N'est-ce pas? Azana bilan. Bilan a il a fait allusion à quoi? Na Makambouya 100 jours. Du fait que Vital Kamerhe a été arrêté. C'est pourquoi Beteli Angotolo. Donc. Ça signifie tout simplement que Likambo et Vital Kamerhe, nous comprenons que c'est une question politique. Ils allaient Likambo yo besoin qu'il y ait une injonction à FCC. Mais là, pour qu'on arrête. Attendez, mon frère, pour qu'on arrête Vital Kamerhe. Il n'y a pas qu'un Vital Kamerhe à FCC. S'il vous plaît, on a arrêté Kamerhe. Mais pourquoi on a mis dans la mouka Kabila ma cassité? Non, non. Bozoko misa Kabila ma cassité, mais c'est ça la réalité. Vous voulez pour mon frère, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Accorde-moi seulement quelques secondes. Si vous voulez que Kabila soit faible, ce que l'on dit que Kabila est faible, ils ont l'eau au moko. Et l'eau au il faut ça. Il faut ça. Neko Félix Antoine Tshisekedi. Ozola nangande ko. Azoka o malamu. Ndeko Félix Antoine Tshisekedi, n'est-ce pas?
Aïe, bah d'abord, un, il y a qu'à reconnaître que l'élection, où il y a ceux qui ont wana, n'est-ce pas? Ils ont qui deal. Et y a bani. Tant qu'il y a qu'à dénoncer yango. Ça fait plus d'une année pour tenir un discours au changement. Mais écoutez, mon frère. Oyebi, ce n'est pas question de méthodologie. Et ça, question de méthodologie. Parce que c'est quelque part, c'est comme si que tout ça qu'on a changé le Congo. Tout ça qu'on a changé le Congo. Comment dirais-je, mon frère ami? Comment dirais-je? Vous voulez que tout change de discours. Et vous le savez que par l'élection d'Engue et les Kaki, ils ont COP dit les Salimaki Wana. Pour que Ndeko Félix Antoine Tshilombo aza la wana. Mais Ndenge Nini, débats a dépassé. Ndenge Nini, c'est cela où que je suis en train de vous faire voir. Ndeko, pardon. Ndeko, pardon. Mais ce que vous avez dit, Ndeko, 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 Hervé, te mettre un peu. Tout est un peu du sérieux. Nazoum, c'est comme si nous voulons une chose et son contraire. Parce que si nous voulons réellement que le Congo change, il faut d'abord te mettre fin préalablement, n'est-ce pas, la question de la légitimité. Question de la légitimité. Il y a des bases, il y a des désordres tout au monde. Or, résoudre la question de la légitimité, c'est résoudre la question de la institution à l'appui de la démocratie, qui est la CENI, n'est-ce pas? Et ça peut être Nabino et Saint-Sac. C'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Pour résoudre la question, on a. Pour résoudre la question, il y a légitimité. Parce que, vous le savez, Ndenge ba élection est passée dans la Katamboka Nabiso. Mais vous voulez nous faire dire que non? Non, to bande kakamiso. Toi avancer kakabongo, mais on dit ceci que le même cause produit les mêmes effets. Lobby to telemelaki Kabila. To telemelaki Kabila na tricherie peut a occasionné tricherie pour que Ndeko Antoine Tshilombo azalawana. Mais bozoye bisabiso lelo que ose y a des bamoko dépassé, to effacer, to changer méthodologie. Mais non. Ndenge azaki Eli. Donc, vous allez aussi nous faire croire que Yepé, tant que vous avez l'élection, Yepé a triché, a cela, Ndenge, mais c'est Kabila, a ça là pour qu'il a conservé le pouvoir. Là, nous disons non. Parce que le discours, tu bandi koyoka yango n'est pas yabatunaye. Tu bandi koyoka yango n'est pas yabatuya. Il y a IDPS. Que bango pe bako sala, Ndenge Kabila a ça là qui. Donc, c'est ça là où vous voulez que. Tokende. Ah bon? Ah bon? Ah, toi, tu as dit que Oyebi na yo, mais Ozaro sa na yo yoroni. Alors, wana toko sungambo kate. Je suis en train de dire, mon frère, ce tolingi qui est au boma, plaît, pota o eza na katali kolonabiso, Congo, n'est-ce pas? Nous devons accepter yako sukola pota wana. Autant to sukola pota wana. Et ça, là, quand il s'engote, et ça, là, a passé. Et nous devons dire des vérités pour soigner la plaie. Donc, pour et la Mouka, condamnation est vitale, comme les raisons en ma justice, mais c'est de la politique. Non, non. Attendez. Il faut tout se faire attendre. Il y a un autre. Parce que tu m'as mené dans d'autres choses. Je suis en train de dire ceci, mon frère. L'objectif de notre pays est que tout ça, le principe, la condition, Oyo, Moutounios doit se retrouver. Donc, c'est-à-dire l'état des droits, la bonne gouvernance, j'en passe. Vous comprenez? Et la question, il y a Vital Kamerhe. Je suis en train de dire que, effectivement, il y a eu. Mal gestion, il y a
il y a projet wana il y a 100 jours. Il y a une vraiment disparition. Mais l'état des droits vécu, n'est-ce pas? Celui qui est responsable de ça va arrêter. Vous comprenez? Mais dans le cas d'espèce, les Kambongo, ils ont comme si ils allaient, comment dirais-je, ils allaient contre-rendre. Dans le sens nini. Parce que au moment, ce sont presque le même fait. Oh, ça n'est pas Vital Kamerhe. Ce sont aussi des mêmes faits. Oh, ça n'est pas y a DG, il y a office de route là. Fonner. Fonner ainsi de suite. Baramos. Voilà. Mais au moins, comme si politiquement, il y a deux poids, deux mesures. Vous comprenez? Donc, ils ont payé sa bonne image. Donc, ils ont là qui ça comme si que Vital Kamerhe. Baza quelqu'un va abattre. Mais la justice, non, va avoir été, va condamner. Mais écoutez, si réellement, n'est-ce pas? Si réellement, Vital Kamerhe, Baza la kata li Kambouana, n'est-ce pas? Va rendre justice au Isengeli qu'on va rendre. Verdico Barandaki le 23 juin, ils ont le remonté. Ndeko. Tala ndenge makambokei. Avec précipitation. Non, je ne suis pas là très bien, pour que na défendre qui que ce soit. Mais je suis là pour dire la vérité. Vous comprenez? Dire la vérité pour que Congolais et Congolaises nyonso azana droit. Nakata mboka oui. Ce qui a sali mabé, mobé koué kangaye. Très bien. Rapidement, toujours m'envoie juge Mibalo, il faut prêter serment. Est-ce que ils ont indiscipline? Est-ce que ils ont manque de professionnalisme? Finalement, lecture ni au salon dossier juge Mibalo. Namon est déjà sur côté nakata réponse moko politique. Non. Parce que l'itambo yo, batwebele. La vraie question est la question il y a ndenge bazo faire présenter biso hein makambo angote parce que sur le plan des droits je pense que ezana débat moko déjà il faut mis entre les juristes parce que il y a des juristes bazo le bakeno ba juge Bazana raison na bango. Na ba juriste monsieur Bazolo Bakeno, chef de l'État, et plutôt Ndeko Félix Antoine Tshisekedi, pardonnant sa Zouakiwana a violé constitution T. Donc, sur le plan des droits, en tout cas, Natiki ba juriste, hein, ba Bundana, ba tali sa peuple congolais. Et même aussi qu'on a politique. Que nani yazana raison, nani yazana tort. Mais la vraie question est allée sur le plan politique. Et quelle est cette question? Voilà. Sur le plan politique, État Sabiso comme si, pas comme si, Makambo Obiso Toloba. Tu vois le pouvoir de Konanga, Obib, Biso va politologue. Hein? L'Ikambo est allé pouvoir. Nous sommes fiers du pouvoir. L'Ikambo, mais écoutez, nous sommes fiers du pouvoir. Obi pouvoir, c'est quelque chose de sacré. Mais si on va comme désacraliser pouvoir, ça c'est autre chose. Donc, le lot pouvoir est comme le cola, Ndengeye Moko Aloba. On va mettre un pantin pour faire chauffer le chauffer siège. Nassima Mokolo siège à Roya pour qu'il y ait un siège. Mais curieusement, quand même pantin, on a des lots, on a des lots, on a des lots, pour s'approcher. Écoutez, mon frère, écoutez. Regarde Ndenge Batoubaza Kouré. Qu'on marchait contre ma décision, contre ma ordonnance.
y a Ndeko Félix Antoine Tshilombo. Oyebi, en sciences politiques, on dit ceci, la définition du pouvoir, c'est la capacité de faire triompher, n'est-ce pas, vos idées légitimes. Cette capacité de faire triompher. Mais vous allez voir que ma décision, on a ordonnance signée, juste un certain groupe, il y a kaka ya bateau baza na bango na coalition baza ko désacraliser yango ba ko boudé yango ba ko bo yango, donc bazo contester même, n'est-ce pas, pouvoir, il y a un chef de l'État. Cela signifie quoi, mon frère ami? Cela signifie tout simplement que bateau baza na katia coalition, ils se sont réunis non pour, n'est-ce pas, satisfaire les Congolais, donner des solutions aux problèmes des Congolais, mais ils se sont réunis pour que batondi sa mabumu na bango, batondi sa baposhi na bango, pepe na pouvoir na bango. Parce que si ezaki pona intérêt ya peuple de ko Hervé, je pense que l'alliance contre nature ou tous ceux qui vivent l'élo et ça une raison d'être été. Et c'est par là moi je suis en train de dire que les Congolais devaient faire très attention. Très attention. Pourquoi? Parce qu'il y a comme l'impression qu'il y a distraction, une vaste distraction. Oh, Ndeko Félix Antoine Tshilombo, Salé et Panabiso, il y a Kabila. Donc c'est comme s'il est en train d'accompagner. Mais c'est Kabila. Parce que alliance, oh, Bango Bazana Yango, le lois a sous la raison d'être traité. Mais du fait que hier, Boya, Bako Boya qui va casser l'alliance ouana, et qui va s'accrocher seulement à pouvoir, et Batia Mokana Katia désordre, mon frère, il y a l'anguille sur roche. Donc nous pouvons comprendre que c'est un jeu politique qui est en train de se jouer. Batia Mokana Katia tension, mais le jour, le semaine, le mois et les années passent. Et après, Kabila, voilà qu'on bima. Il faut qu'il y ait une élection. N'oubliez pas que M. Kabila, aujourd'hui, a des moyens plus que l'État congolais. Mais je vous dis, il a des moyens plus que l'État congolais. Donc, ces gens-là peuvent eux-mêmes. Quand on va dire qu'il n'y a pas les moyens, eux-mêmes peuvent prendre en charge une élection pour que va revenir na pouvoir. Il faut que le peuple congolais de faire beaucoup d'attention na va agir ya Ndeko Félix Antoine Tshilombo. Parce que Ndeko, il faut tout bamarambou clairement. Les lois au monde, coalition, est-ce qu'on peut nous dire ils sont dans la coalition ou ils sont dans la cohabitation? On ne sait plus encore. Mais où allons-nous? Toi qui nous sommes même Kawapi. Donc, tout ça, la responsabilité, c'est entre les mains de M. Tshilombo. Devant son peuple et devant Maître Naïe, à choisir, Nani. Félix, tu mais oui, tu as toujours la question, le contexte électoral,
Tu as une question dans le contexte électoral pour que tu joues un pifo, il y a un boka. Dans le contexte, on a dit que Yoki base, il y a un boka bimi, parce qu'on a la coalition Moussoussou pour Bazana pouvoir. Ndeko Hervé. Mais aujourd'hui, Bazo Bayoka qui hier, quelles sont les réclamations il y a Bazouana? Mais Bazouana a réclamé. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué Babomi, ba peuple congolais. Bandeko ya Bazouana. Babomi Bango. Oh, Bazouana est sengani. Bazouana est boi. La manière de Mabunda. Balinga ba memamboka. Ba kotisa mutuna bango. Bazouana zo senga nini. Bazouana zo senga alliance wana esila. Bazouana zo senga nini. Bazouana zo senga ke ba résoudre question ya libumu na ba. Très bien. Émission wemina souka permettez moi de poser question. Ah, kaka sika oyo. Permettez moi de poser question. Tout ce que je crois na 5 minutes je crois Némi. Ah. Lelo oyo. Martin Fayoul n'a pouvoir, dans le même contexte. Parce que vous avez l'impression que le rôle a été. Fayoul n'a pouvoir avec les mêmes contextes. Mon cher, je vais vous dire d'abord, premièrement, nous ne sommes pas au pouvoir. Mais, tant que vous avez 6 positions, mais c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, on n'a pas voulu respecter la volonté exprimé par notre peuple, dans l'usine. Parce qu'ils ont eu peur que si Martin Fayoulou est là, Bangabaza a déjà la gata boloko. Parce que mon bec, état de droit, Penza, Engels a l'exprimé. Mais état de droit, exactement. Motona, non, écoutez, mon frère, tout ça, la part des choses. État de droit, ils ont un compte à rendre. Mais la justice et c'est que ça là réellement musala na yango parce que mutunyo so business to za égal toi ndenge moko devant la loi mais les lots to vivre justice il y a deux poids deux mesures. Il y a des gens qu'on peut arrêter et il y a des gens qu'on ne peut pas toucher yango yo bakangi dire ka ba président bon justice bon toi que bon bakangi toi ba non bakangi oui n'est-ce pas parce que ça peine à boloko. Oyebi mabe sami na kati ya mboka oyo. Donc unota sanga ke Vital Kamerhe asali mabe n'est-ce pas? Ko le kaba o lelo bazo rouler carrosse ba oyo ba bomi bato na kati ya mboka oyo. N'est-ce pas? Est-ce que le président ne va pas oyo justice ne mutfa sa musala. Mais c'est ce que je il ne veut pas président qui était na terrain lokanga batu. Ndeko. Donc moi comme c'est dictateur apparemment. Non non. Non, non. Comme c'est dictateur par rapport à quoi? Bon, écoutez, attendez, comme c'est dictateur par rapport à quoi? Ce qui bat le lobby que justice est salement. Mais Moutoua lobby que lui ne va pas fouiner dans le passé. Il protège les gens qui ont raison. Est-ce que Bissot lobby que justice est salement? Et ça va compte à rendre? Non! Ma famille a battu le Bakoufa. Est-ce que ce président... Ma famille a aussi Moukendi. Ma famille a ba oyo, ba boma na parlement ou na plutôt, na permanence à IDPS. Donc, ces gens-là, bato ba koufoua na baza batoute, baza na ba famite, kaka... Kofouine na passé, qui est un rapport nini, na kou empêche justice et salam moussala. Mais, écoutez, mon frère, vous savez, Naeb Sango, moi je suis un politologue. Hein. L'émission est terminée. Oui, je vous réponds seulement à la question. Vous savez... Il faut savoir ceci. La politique a la force sur les droits. Tu m'as compris? La politique a la force sur les droits. Si les chefs ne laissent pas faire que la justice fait son travail, et l'homme au salé bezaté. Faut retenir ça. Est-ce que le président doit empêcher justice et salam salam? Écoutez, mais pour la ligne de justice, que c'est ça la raté. Pourquoi ce qui est après que ça a raté, mais pour la ligne de justice, c'est ça la raté. Et ça, c'est ça la raté. Tandis qu'il y a eu des morts dans le siège à IDPS. Tandis qu'il y a eu mort, il y a Rossi Mukendi, Kapangala. Il y a eu mort, il y a. Nani, il y a droit de l'homme, comment ça s'appelle encore Chebeya. Chebeya.
Pourquoi justice les ça musala? Tous ça va procurer ou c'est ça je vous dis. C'est ça je vous dis. Mon frère, ce makamuba ce qui makamuba gérer makamuna d'une manière politique. L'émission nous devons dénoncer ça. Nous devons dénoncer parce que bisonyo soba congolais, tous ça a droit na katamboka oyo, tous ça a droit de vivre na kimia. Très bien, l'émission est terminée rapidement. Moi na mboka Martin Fayoul s'est dit prévu à zone aller 2 août mais curieusement à zongité ma raison y a report topé à absence topé à Rouya Bozongi na été na mboka izani. Non non, c'est simple, au moni tango a voyager qui pona ba nini moko diplomatique, voyage moko diplomatique. Alors tango comme na mikila poto je pense bon mona qui a bandé qui a déjà en France, a kutana qui na na Sénat bayamba qui na Sénat française. Alors, juste après, ça fait que tant qu'il y a les États-Unis d'Amérique pour continuer le projet, le programme Wanaza qui est diplomatique, il y a la COVID-19 et Bimi, donc le rendez-vous à Zala qui est annulé. Alors, juste après, tant qu'on a annoncé l'arrivée na le 1er août, ça fait que le rendez-vous à Zala qui est diplomatique, il bengiye pour dire qu'il faut recevoir. Donc, par là, il faut akutana, ça va rendez-vous, il fallait ayamba mana Maison Blanche, ayamba mana na Canada. Et je crois que depuis la semaine Oyo, depuis la semaine Oyo, on a déjà en France, on a communiqué bango jour na ye ya ozonga na mboka. Alors, émission na souka mais avant au Kabwana. Nous préférons au commenter titre ou le journal Congo Nouveau. Et le Bénin. Qui veut tuer Katumbi? Va découvrir ma balle dans les acquis objets. Une très bonne question. Qui veut tuer Katumbi? Katumbi. Mais la sécurité y a beaucoup de gens qui sont là. C'est un gouvernement. Mais Bango, il s'est dit battre sa bise. Nani yango a beti ba bal nanda kwa Katumbi qui a tué? C'est le gouvernement. Tu vois que tant que le peuple n'a biso a sécurisé té. Confirme bilo romoro. Peuple n'a biso a sécurisé té. Tala mutoro na Trump ya Katumbi on tire des balles nanda kunai. Mais alors l'autre peuple, c'est pourquoi vous voyez à l'est de la République démocratique du Congo, notre peuple baza exposé, insécurité na katamboka, voire même ici à Kinshasa. Regarde ma phénomène Kuluna. Dernièrement, na Ngaliema. Kenye kota Ngaliema vers Nini. Qu'on appelle ça Mboka comme les autres qui mangent les. Vous savez que pendant la journée, les gens même ne sortent pas. Vous voyez bien, non? Ils ont peur à Kuluna. Na Katia ville à Kinshasa. Est-ce que pouvez-vous croire à cela? Donc, c'est pour dire que le pays n'est pas gouverné, mon frère. Le pays n'est pas gouverné. Écoutez, Nathalie Sosolo, monsieur. Rapidement. Allez maintenant, Kené Kaka na victoire. N'est-ce pas? Ozoa transport, au Kené par exemple, na Lemba. Tu vois que il y a des demi-terrains. Pourquoi Magara Lemba, on fout à 1500 francs congolais? Eh bien, il est l'autre. C'est pour dire quoi? Oh, l'arrêté, il y a gouverneur de la ville. Et ça dit, espèce de course. Colombale bâti comme victoire 500 francs. Ça, c'est dans le secteur de transport. Quel est le long marché, mon frère? Quand je te dis que Mboka a gouverné, il ne faut pas douter. Quel est le long marché? Quel est le prix à Madesu? Quel est le prix à Madesu? Tu n'as pris à Madesu? Yaka na Njili, tu n'as pris à Madesu? Yaka na Gambela, tu n'as pris à Madesu? Quel est le Zando à Monene, tu n'as pris à Madesu? Au moins, que chaque contrée est en prix na yango. Mais ça comme mon coin Madesu. Donc c'est pour dire que yebisangai maintenant mon frère. Moussala gouvernement mozani. L'émission est terminée. Quand je vous dis que le pays n'est pas gouverné, nous disons pas en vain. C'est pourquoi voilà la nécessité que nous devons sauver notre pays. Sauver notre pays, ce n'est pas aller na ba voie oyo biso toza na yango. Sauver notre pays, nous disons c'est faire des réformes, pas des réformes bidons. Nous avons toujours dit que nous avons proposé une assemblée nationale
pona ba loi ya magistrature na ndenge to ko mona ndenge ndeko Félix Antoine Tshisekedi azako ko nomaka nomaka azoko plaça, il faut faire des vraies réformes pour que to sauver mboka oyo émission esili caméra yango liboso na yo moi liloba mukie na bato nyonso balandio à travers le monde. Merci et pas bandeko pour tango eza vraiment mukie na kosenge pa bandeko bako ko contacter biso na plus 243 81 57 94 972, donc plus 243 81 57 94 972. C'est pour dire que je termine par là, mon frère Hervé. Oui, je termine par là. Très bien. Que nous devons sauver notre pays. Nous devons sauver notre pays. Merci. Et je suis Naza toujours na kobeta mbela. Nazo beta mbela que ce qui congolais moko na moko à prendre conscience pour sauver notre pays. Toujours mboka oyo Michel Mangala, merci de votre passage. Merci mon frère Hervé, mais bon ça moi tango comme penza mo keming. Très bien. L'émission est terminée mesdames et messieurs, merci de votre sympathique attention, mais aussi grand merci à toute l'équipe technique. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.